Hey, bonjour à tous ces amis, c'est Jérôme Mainvoyance, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les affiches des élections européennes pour cette année. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de partis qui n'ont même pas d'affiches et il y en a d'autres où les affiches ont disparu. Donc derrière moi, on a celle de Mélenchon, à moitié déchirée. Ensuite, au sol, par terre, on a celui de Macron. Vous inquiétez pas, c'est pas moi qui l'a déchiré. Je suis arrivé, l'affiche était déjà au sol. Donc voilà, je pense qu'elle va s'envoler comme le vent. Donc ensuite on va continuer. Donc vous voyez il y a les chiffres mais il n'y a aucune affiche pour les candidats de 2 à 8. On va continuer un peu plus loin. Il faut savoir qu'apparemment il y a 34 propositions différentes. Mais bon, il y a la moitié qui n'a même pas l'affiche, donc on ne sait même pas pour qui voter. Et même avec les affiches, on ne sait toujours pas pour qui voter. Donc là on a le parti Urgence écologique de Dominique Bourg. Personnellement, je ne sais pas c'est qui. Ensuite, nous avons candidat numéro 10, il n'y a rien. Candidat numéro 11. C'est le fils de Giscard d'Estaing apparemment. Ensuite, partie 12, c'est Envie d'une Europe écologique et sociale de Raphaël Glucksmann. On ne sait pas c'est qui. On ne l'a jamais vu à la télé du moins. Ensuite, candidat numéro 13 et 14, il n'y a personne. Ensuite, donc on a à nouveau Nicolas Dupont-Aignan en 15e. Il n'a même pas obtenu 5% au présidentiel, donc ça ne sert à rien non plus. Voilà. Candidat numéro 16, en fait de base ils servent tous à rien. Donc numéro 16, rien, 17 de rien. Ensuite on a Nathalie Arthaud qui aura peut-être 1% cette année de nouveau, on ne sait jamais. Candidat numéro 19, Parti communiste, c'est encore pire que la droite, il me semble. Donc voilà. C'est qui c'est Brossat, je ne sais pas ce qui c'est non plus, on ne l'a jamais vu à la télé. Ensuite, on a le candidat numéro 20, Ensemble pour le Frexit. Donc c'est François Asselineau. Ah, il y en a qui le soutiennent, mais bon. Il n'a aucune chance non plus pour les européennes. Hein, c'est, je suis pas. Jette-moi ça, quoi. On n'a pas de. Ouais, j'ai pas. C'est juste la vérité, quoi. Il n'y a aucune chance. Comme lui à côté, Benoît Hamon. Donc, vivre l'Europe libre. Je ne sais pas le programme, je ne les ai même pas encore reçus dans ma ville, donc c'est assez chaud et assez difficile de dire. Je ne sais pas si chez vous aussi vous n'avez pas reçu les cartes pour les européennes avec les programmes. Moi, je n'ai rien reçu pour le moment. Donc, je le redis, on est en Alsace. 22, il n'y a personne. Ensuite, là, ben, on a l'affiche de Marine Le Pen, donc Rassemblement National, où vous voyez, on a Jordan Bardella, mais on n'a personne de l'autre côté. Donc, Le Pen s'est fait arracher et c'est partout comme ça. Je pensais que, vu les affiches que j'avais vues le mois dernier où j'avais fait une vidéo dessus, les gens voteraient pour elle, mais apparemment, il n'y a personne non plus, enfin, dans ma ville. Donc, j'espère ailleurs, ça ne sera pas pareil. Donc, on a le numéro 24 où il n'y a personne, 25 où il n'y a personne, 26 personnes, 28 personnes. On a l'affiche numéro 29, Défendre la voix de l'Alsace. Donc, il y a quelqu'un qui a pensé à me gueuler, moi. Mais bon, comme je ne connais pas, je ne vais pas voter non plus pour quelqu'un que je ne connais pas. Et au vu des circonstances, de toute façon, les européennes, c'est soit Macron, soit Le Pen, on l'avait compris. Ensuite, nous avons donc. La liste Europe écologique, donc partie de Yannick Jadot, qu'on ne connaît pas. Ensuite, on a une affiche assez originale avec la tête d'un chien. Je pense que c'est le plus intelligent de toutes les parties, tu vois. Donc, le parti animaliste. Donc, voilà une affiche qui donne plus envie que les autres. Je préfère peut-être voter pour un chien. De toute façon, vous savez déjà pour qui je vote. Voilà, non, c'est pour rire. Voilà, on a l'affiche d'un chien. Donc, une partie qui pense aux animaux, ça doit être pas mal. Ensuite, numéro 32, on a personne. 33, personne. Et 34, de non plus personne. Donc voilà un peu, j'ai fait le tour de la liste des élections européennes 2019. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez mitigé. Soit on a des affiches déchirées, soit on a que des cons. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation des élections européennes vous aura plu. Moi, vous le savez pour qui je vote. Je ne vais pas le dire dans la vidéo parce que ça va faire un grand débat et tout le monde va me déchirer la gueule après. Voilà. Donc c'était juste pour présenter les différentes parties possibles. Je crois que c'est l'endroit dans ma ville où il y a le plus d'affiches encore. Toutes les autres ont été arrachées aussi. Donc vous êtes beaucoup à ne pas vouloir voter cette année. Bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à partager la vidéo, à me donner ton avis dans les commentaires et me dire pour qui tu votes. À me rejoindre sur ma page fan Facebook Jérôme M. Voyance. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.